Bonjour, je m'appelle Christina et je travaille au Musée des sciences et de la technologie du Canada. Aujourd'hui, on va parler d'aimants. Comme ceci. On retrouve des aimants dans plusieurs objets, tels que des sonneries, des haut-parleurs, certains trains et même des jouets comme celui-ci. À l'intérieur de la plaque blanche se trouvent des milliers de petits objets magnétiques. Le crayon est un petit aimant qui attire tous les objets magnétiques vers l'avant de la plaque où il est possible de les voir. L'efface est un aimant qui se trouve à l'arrière de la plaque. Il attire les objets magnétiques vers l'arrière où il est impossible de les voir. Vous avez probablement déjà joué avec des jouets comme celui-ci, mais est-ce que vous êtes déjà demandé ce qu'est un aimant? Un aimant est un objet qui comporte un pôle nord et un pôle sud et qui crée un champ magnétique. Les aimants sont typiquement faits de métaux tels que le fer et le cobalt. Les atomes de ces métaux se rassemblent en petites unités appelées domaines. Imaginez que les bonbons sont des domaines à l'intérieur de cette barre de métal. Lorsque les domaines ne sont pas alignés, comme ceci, la barre de métal n'est pas magnétique. C'est seulement lorsque la majorité des domaines sont alignés dans la même direction, comme ceci, que la barre de métal devient un aimant. Voici un aimant. Lorsqu'on le dépose sur une plaque contenant de la limaille de fer, nous pouvons voir les lignes de force du champ magnétique. Lorsque deux pôles opposés sont rapprochés l'un de l'autre, les lignes de force se rejoignent et les aimants s'attirent ensemble. Lorsque les pôles semblables sont rapprochés, les lignes de champ s'éloignent les unes des autres et les aimants se repoussent. Lorsque les pôles ne sont pas bien alignés, l'attraction ou la répulsion n'est pas aussi forte. Ici, nous avons des aimants très puissants. Quand ils sont joints ensemble et que leurs pôles opposés sont alignés, ils peuvent supporter plus de 100 livres. Lorsque les pôles ne sont plus alignés, il est beaucoup plus facile de les séparer.